Voilà, je vais finir par y arriver. Ok, bon. Est-ce que ça c'est... Ouais. Alors, le chat Twitch, est-ce qu'il est bien actif? On verra bien. Ça c'est bon. Bon, ouais, je fais un stream un petit peu plus tôt que prévu. Parce que bah demain je bosse et que voilà. Par contre, j'aimerais bien trouver ma. Où est-ce que j'ai foutu ma pochette de. Ma tablette. Où est-ce que j'ai foutu ça? Bon, bah, je sais pas. J'en sais foutrement rien. Tiens, qui c'est là? Tiens, c'est tout petit. Est-ce que je peux pas lire correctement si. Bon lundi. C'est Rétro Dodo qui marque ça, mais salut Rétro Dodo, mais on n'est pas lundi. On est mardi. Je dis ça comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai foutu de ma tablette, moi? Fait chier, bordel de queue. C'est pour lire les. Les chats plus facilement. Bon, c'est pas grave. Donc, on va jouer à Thundercats. Où c'est que j'ai mis ça? Scène de jeu. Voilà. Ma manette, elle est là. Donc, c'est un jeu que j'ai pas fini, que je risque pas de finir, parce qu'il est ultra difficile. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais, je l'ai laissé ce que je l'ai pas. Voilà, bon, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore enlevé. Je ferai ça plus tard. Alors, on va lancer le truc. Bon, je sais pas si au niveau volume c'est. Ça le fait ou pas. Alors, c'est 640 par 400. Je crois que c'était ça plus bordure. Non, c'était 640 par 480. Ou c'était 600. Ouais, c'est ça. 640 par 480. Non, c'était 640 par 400. Tu veux un cadeau? Bah écoute, tu sais ce que tu fais. Tu écris une lettre au Père Noël. Puis tu lui demandes un cadeau. Moi, j'ai pas de cadeau, hein. J'offre pas de cadeaux, moi. Justement, j'attends qu'on m'en offre, moi, des cadeaux. Bon, allez, c'est parti.
Hop. C'est la souris. Sinon, je vais regarder Kirby 54. Bah écoute, tu peux regarder Kirby 54 si tu veux, hein. Moi, j'ai rien contre Kirby 54, je le connais pas. Hop, voilà, je descends un peu la musique parce que je crois que c'était un petit peu fort, quoi. Je vais faire une sauvegarde si jamais ça plante, comme ça, j'aurai pas le chargement à me taper. Bon, la musique est sympa. Moi, j'étais habitué à la version Amstrad CPC, mais celle-là est vachement mieux. Finalement, je vais pas la faire en stream, la version CPC, parce qu'elle est beaucoup trop dure. Elle est encore plus difficile que celle-là. Donc, le but, bah, c'est de vaincre Mumra et de récupérer donc The Eye of Thundera, donc l'œil de Thundera. Je sais pas c'était quoi exactement. Et voilà. Donc, c'est un petit run and gun. Donc on a un temps, on récupère des vies et on n'a pas suffisamment de vies de base pour finir le jeu de toute façon. Bon, le but, je vais essayer déjà d'aller. Si j'arrive à aller au niveau 10 des âges, ce sera un exploit, quoi. Alors l'avantage de la version Amiga par rapport à celle en CPC, c'est qu'on peut sauter et frapper en même temps en fait. Ce qui est quand même indispensable dans le jeu, quoi. Sinon c'est infernal. Oula. Ça sert à je sais plus quoi. C'est pas juste pour faire du score ou quoi que ce soit. Hop là. De toute façon, on peut pas récupérer plus de 7 vies dans le premier niveau. Hop, là faut déclencher. Waouh. Putain la vache. Et là, Mumra va déclencher sa horde. Voilà. À chaque fois, je sauvegarde parce que si jamais j'ai un plantage pour X raison, j'ai pas envie de tout recommencer, quoi. Alors, sauvegarder l'état. Ça a l'air aussi dur que sur ST. Bah, en fait, ouais, ils sont super proches l'un de l'autre, hein, la version Amiga, la version Atari ST. Mais la version Amiga, bah, je sais pas, c'est celle que j'ai dû tester en premier, je crois. Puis, la musique est sympa quoi. Alors là j'ai fait le premier niveau, donc il y a deux niveaux et ensuite il y a un bonus stage en fait, où si on perd pas une vie, on perd voilà, le bonus stage, parce qu'il va falloir délivrer Tigra, Pantera aussi, non, ou Pantra, je sais plus comment il s'appelle. Donc moi je le trouve très joli ce jeu. Ça fait partie des jeux que j'aurais voulu avoir sur Amstrad CPC et, qui étaient très moches. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas qu'une épée, on a aussi un pistolet. De toute façon, il aurait été infaisable sans hein, ce jeu-là. Et encore le pistolet, faut bien viser parce que des fois les ennemis tombent pas systématiquement en face. Voilà.
Oh, voilà. Faut pas trop perdre de vie parce que après c'est long à en regagner. Faut livrer Pantera et Sepultura, ouais. Faut délivrer, ouais. Non, c'est Pantera, justement, c'est le groupe Pantera qui m'empêche de le dire le nom, parce que le personnage, c'est bien une panthère, et je crois que c'est... Bon, je sais plus, je verrai plus tard. Mais le premier, c'est Tigra. J'ai failli dire Tigrou tout à l'heure. Les amalgames. Hop, pareil. Je sauvegarde là, ce sera les parties que je sauvegarde là. Alors, on peut pas aller beaucoup plus loin dans le jeu. Voilà, faut voilà, sauver Tigra. Il va falloir plus de vie que ça en fait. Alors moi j'ai trouvé une petite astuce pour récupérer plus de vie dans ce jeu-là. C'est long, c'est chiant, mais bon, bah c'est le seul moyen que voilà, il y a moyen de récupérer plus de vie. Donc ça c'est un bonus stage. Donc faut surtout pas perdre. Et je vais rester là. Et il y a des champignons qui vont pousser. Voilà, et dedans, quand on tire dedans, il y a des bonus. Bon là, c'est pas une vie, mais voilà, je vais aller de gauche à droite. Alors ici, c'est bien parce qu'en fin de compte, les ennemis ne peuvent pas, enfin, du moins ceux qui sont avec leur bouclier là, parce qu'eux, on peut pas leur tirer dessus de face. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, les vies qui sont ici. Et comme on n'a pas de temps limité, en fait, le temps ne, ce n'est pas un décompte, donc c'est plutôt pratique, quoi, pour Alors les personnages, les ennemis là avec le bouclier, on peut les avoir que par derrière. Ah, qui c'est? Bandicoot 37. Bah salut Bandicoot 37. Mais il y a un scrolling différentiel qui est quand même vraiment très joli quoi dans ce jeu-là. Après c'est pas le jeu du siècle quoi, mais bon, moi j'adore cette série-là comme les Cosmo Cats. J'ai d'ailleurs l'intégrale en DVD de ce dessin animé-là. Quand j'étais gamin, je crois que c'est pareil, je m'étais fabriqué une épée en bois. Alors là, quand voilà, je veux pas par exemple prendre l'épée. Alors quand c'est comme ça, bah, je vais pas dessus, mais par contre, on n'a pas de deuxième bonus. Voilà, on le fait sortir de l'écran. Ah, voilà, c'est ça que je voulais pas. Voilà. En sortant de l'écran, ça annule voilà, le sprite du bonus, quoi. Donc là, j'ai 8 vies. Je vais essayer de monter à 10 ou peut-être 15 vies. Voilà, déjà 10, ce sera déjà pas mal. C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu long, quoi. Ouais, moche sur CPC, ça c'est clair. Pourtant, je l'aimais bien sur CPC, mais maintenant que j'ai joué à cette version-là, la version 16 bits. Bah, ça me branche plus trop de vouloir essayer de le streamer sur CPC, sachant qu'il est super difficile. Il est beaucoup plus rapide et sur la version CPC, on ne peut pas sauter et taper en même temps. Donc c'est super dur quoi. Et il y a 14 niveaux, hein. Et les niveaux sont de façon progressive de plus en plus difficiles quoi. Il y a une courbe de difficulté qui est bien dosée. Mais sur CPC, voilà, c'est déjà direct dur dès le départ, quoi. J'ai jamais dû dépasser le troisième ou quatrième niveau sur CPC. Hop, une vie en plus, je suis déjà à 9 vies. Alors non seulement je me fais du score en faisant ça. Hop, mais en plus je me fais des vies supplémentaires. Et sur la version CPC, c'est pareil, on peut faire ça aussi. Ouais, je vais essayer d'arriver à 10 ou 12 vies et puis après je vais continuer à aller vers la gauche. Parce qu'il y a une flèche là dans le HUD en bas. Il y a une flèche qui nous dit d'aller vers la gauche parce que des fois on peut aller aussi vers la droite selon les niveaux. Voilà, j'ai 10 vies. Ça veut dire que si je perds là, c'est pas très grave parce que je ne perdrai pas une vie. Là, je. Voilà. Ah merde. Ça, j'aime pas quand ça fait ça. Ouais, forcément, j'ai raté le coche. Après, je dis quoi? Je vais mettre sur pause que je peux pas lire. Après, tu dis que Masque est dur sur CPC. Ben oui, il est carrément dur sur CPC.
Je suis celui que tu as posté récemment sur YouTube, il dit que Musk a... Oui, bah pas insurmontable peut-être, mais moi je le trouve super difficile et trop random quoi pour. Faut avoir de la chance en plus dans le jeu. Parce que l'espèce d'oiseau préhistorique là, putain, c'est une vraie saloperie quoi. Et puis il n'y a pas qu'un seul masque à récupérer dans le niveau 2, il y a deux masques, alors j'imagine même pas dans le niveau 3 quoi. Ouais, ça c'est le. Ici, donc ça c'est pas grave, je peux le reprendre une deuxième fois. Bon allez, j'aimerais bien monter à 11 ou 12 vies là, histoire d'être tranquille. Parce que vu ce qui m'attend après dans les autres niveaux, alors c'est pareil, pour l'instant il n'y a pas eu de menu de proposer. Voilà, bon allez, je vais un peu plus loin histoire de montrer ce qui se passe après. Oups. Une vie là? Non, ça aurait été trop beau. Bah voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là ça me fait monter mon score. Tu l'as refini? Bah, je sais pas comment tu fais quoi. Moi, c'est un jeu, je me suis pourtant acharné dessus, mais. Et puis en plus, je suis tombé sur des bugs dans le jeu, avec le rocher qui avance. Il n'avançait plus. Il était complètement bugué le truc. Jeu bloqué. Alors voilà, donc là on a un menu maintenant. Choose your way through the garden of the elementals. Donc en fin de compte, il y a les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et moi j'ai trouvé un ordre dans lequel c'était faisable. Feu directement c'est dur, il est dur ce niveau-là, il va me bousiller des vies en fait. Moi en général je commence par l'air. Voilà, normalement il devrait y avoir une vie qui se balade quelque part. Alors normalement faut pas trop traîner quand même, hein. Voilà. Ah bah ouais, forcément. Et des fois ils foncent, ils viennent en fonçant des fois. Oh la vache, c'était chaud ça. C'est pareil, là, il y a des vies à prendre. Il faut pas trop traîner, parce qu'après, quand Mumra il déclenche ses hordes. Ah putain. En général, quand on vient de perdre une vie, il y a un truc qui se redéclenche, là. Ouais, voilà, ici. Ouais, c'est une vie. Oh putain! Et puis il met 10 plombs hein, le personnage hein, avant de faire demi-tour. Oh là 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 là, les sauts sont vraiment horribles. Je suis en train de perdre tout mon avance. Oh la vache, c'est super chaud là. Oh putain, l'autre il me touche un pixel, il me touche, putain.
plus que 34 secondes. Une vie. Un tout petit bout d'aile et c'est mort, quoi. Oh là là, c'est injouable. Allez hop. Ah, je suis à côté de la fin. Je peux pas récupérer quelques vies quand même. J'ai 9 vies, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'en prends une dixième. Tiens, salut Comenor. Hop. Parade anti-plantage. Hop. Donc voilà, là je viens de faire l'élément de l'air. Oui, une version Amiga. Je voulais, comme je disais, je voulais streamer la version CPC aussi, mais elle est beaucoup trop dure, quoi. J'y arrive pas du tout, quoi. J'ai fait quoi de 4 niveaux hein. Là, le mieux que j'ai fait sur cette version-là, c'est d'aller 10 niveaux, en fait. Tu fais du ringue à Descartes. Ouais, non, j'ai pas attendu Descartes pour jouer à l'Amiga, heureusement. Donc, maintenant, il reste le feu, l'eau ou l'air. Et je crois que j'avais pris l'eau. Alors, celui-là, il est pas facile, quoi, l'eau. Je crois que c'est avec le flingue. Hop. Oh la vache, comment il rame sa mère! Parce qu'en plus, il y a des bulles à la con. Il faut sauter par-dessus. Donc là, tirer et sauter en même temps, c'est indispensable. Chose qui n'est pas possible sur la version CPC. Donc c'est quand la bulle arrive en haut qu'il faut tirer dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une vie là? Non. Oh putain. Puis des fois quand on veut absolument une vie, c'est là que on l'a pas, quoi. Oh putain, je touche la bulle, putain. Putain, mais il est vraiment en carton là, ce héros là. Starlion. C'est un Starlion en carton que j'ai. Ah non, une épée, j'en veux pas. C'est déjà compliqué avec le flingue, alors avec l'épée, j'imagine même pas. Oh putain! C'est super chaud, hein. Surtout que ça rame pas mal, hein. Et dire que c'est pas le niveau le plus dur, et que celui-là j'en chie déjà. Hein. Je suis super concentré là. Ah!
Justement, faut que je ferme ma gueule si je veux rester concentré. Plus que 7 vies, donc bon. Il m'en manque 3 pour continuer à être bien, quoi. Ouais, une vie. Il me reste 35 secondes avant d'arriver à la fin du jeu. Ouf, la fin, elle est là. Alors j'espère qu'il va y avoir des champignons là pour ramasser des vies un petit peu. Non, ça, on s'en tape. On va attendre un petit peu, il me reste 28 secondes. Bon, super. Une épée, j'en ai absolument rien à battre. On va la faire sortir de l'écran. Hop là. Bon, il est radin en vie, hein, le truc, hein. Putain, la gueule. Ah, une vie. J'espère que je vais pas la perdre, cette vie-là. Ouais, dans 3 secondes, voilà, l'autre il va se déchaîner là. Bon, c'est déjà bien, j'ai récupéré des vies. On va aller, voilà, on va assurer les arrières. Il y a des échelles? Non, il n'y a pas d'échelle comme énorme là-dedans. Joue à Loadrunner. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Voilà. Hop. Sauvegarder l'état. Putain, merde, j'ai plus de café. Donc il reste le feu et la terre. Donc le feu, il est un petit peu bizarre, le feu. Il est pas facile. Alors j'ai 9 vies, j'espère que je vais pas tout perdre là. Hop, c'est parti. Wow, 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 wow. Oh la vache. C'est oui, là effectivement je joue avec le feu là. Oh mais putain, c'est vrai, faut pas toucher la bonus de mes couilles. Putain, je t'en foutrais des bonus qui te tuent, moi. Oh là 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 là, putain, je suis en train de perdre toutes mes vies là, comme un connard. Fait chier, hein. Je voulais récupérer 2-3 vies. C'est le seul endroit dans ce niveau-là où on peut en récupérer. Voilà, allez hop. Ah, c'est pareil, c'est pas facile parce que le moindre truc nous tue aussi. Et des fois, ça passe pas. Parce que des fois les machins ils s'aplatissent et le vaisseau il a pas de place, il est trop gros en fait. Hop, alors 1, 2, 3, il y a 8 piliers. Hein. 4, 5, 6, 7, c'est pour pas perdre trop de temps et quand on se colle en haut en fait on peut pas prendre de dégâts. Alors là c'est autre chose. C'est assez chaud. Oh la vache. Hop, 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 recule pas. Oh là là, putain. Les collisions sont vraiment à chier, mais de chez à chier. Hein. Oh la vache. Alors, 1, 2, là il y en a 3 je crois. Ouais, c'est ça. Ouah, la vache, putain de sa mère. Non, me rattrape pas toi, fils de pute.
Ah, puis le machin, il a une inertie en arrière dès qu'on rentre dans un truc, on a l'impression que c'est une auto-tamponneuse. Oh la vache, putain de sa mère. 1, 2, 3, et c'est fini. Oh la gueule! T'as pas plus de flingue? Ça rame sévère. Ah oh ouais, le jeu il rame pas mal, hein. Tu parles des armes après un niveau, je suis. Tu perds tes armes après un. Non, en fait, selon les niveaux. Le jeu attribue dès le départ telle ou telle arme. Et après, c'est au cours du jeu, au cours du niveau, on peut ramasser un bonus pour changer l'arme. En général, celles qui donnent dès le départ sont bonnes. Bon, alors, niveau suivant. Niveau suivant, il n'est pas facile parce qu'il y a Moomra et je vais perdre plein de vie. Mais c'est un de mes niveaux préférés graphiquement. Mais par contre, il est super dur, hein. Voilà, il est là, Moomra. Donc faut se mettre là, et faut taper comme un cinglé, seulement il va nous tirer dessus, ce con. Voilà, et il n'y a aucun moyen d'éviter ça, en fait. Donc là, on perd, on est obligé de perdre, quoi, en fait, quasiment. Oh, putain! Ça, c'est vraiment des bonus de mes couilles, ça, hein. Voilà, ouais, c'est bon, ça sent le game over, là, c'est... Ça sent le game over. Putain, alors là, c'est impossible de passer. Je suis obligé de virer le bonus de l'écran. Il y a trois fois Moomra dans le jeu, dans cette partie-là, en fait. Ouais, une vie. Oh putain, la vache. Oh mais putain de sa mère! Alors quand il y a des bonus comme ça derrière des buts, on peut pas passer, c'est chiant. Oh bah là c'est mort, on peut pas passer. Voilà. Encore Moomra. Allez, putain! Ouais, une vie, putain. Elles sont précieuses, hein, putain, les vies. Voilà, le dernier Moomra. Bon, je vais au moins pouvoir finir ce niveau-là, même si je perds une vie. Manip, putain, pour. Oh la vache, putain, même comme ça, je peux pas. Hein. On finit toujours par s'en prendre plein la gueule. Ouais, c'est même pas une vie que je récupère là. C'est vraiment pas juste, quoi. Alors, je reste juste à côté de la sortie au cas où je me fais avoir juste avant. Bon, je vais montrer le niveau 8, hein. J'ai jamais été plus loin que le niveau 10, hein, de toute façon. Tu perds. Ah oui, non, ça, j'ai déjà lu ça. Hop. Voilà, alors là, cette fois-ci, c'est un bonus stage. Donc, il faut libérer Pantro. Pantro. Et dans la série française, c'était pas Pantro, c'était Panthère, Panteur, Pantero. C'est sûr, c'est pas Pantera. Pantera, c'est le groupe. Pantero. Ah d'accord, comme. Ok, Pantero. Hop là. Alors là, ils disent qu'il faut aller par là. Donc là, je peux pas perdre de vie. Je peux perdre mon truc. Voilà, mon. Mon stage bonus, mais c'est tout. Et je peux rester là en fait à. Mais bon, c'est pas sécurisé, c'est pas safe à cet endroit-là. Il y en a un mieux que ça.
Voilà, c'est à cet endroit-là. Donc là, je peux rester aussi longtemps que je veux à récupérer en fait des vies, quoi. Alors là, j'ai 3 vies. Alors, ça veut dire qu'il me manque 7 vies, donc ça va être super long, hein. Ça va être super long. Parce que j'ai tellement merdé sur les niveaux d'avant, la perte des vies bêtement que... Voilà, 4 vies. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le saut sur ces PC. Le saut. Merde, oh putain, c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave, ça changera pas grand-chose, cet endroit-là. Donc là, j'ai récupéré une épée. Dans ces bonus stages-là, je préfère quand même le flingue, hein. C'est plus sécurisant, quoi. On peut les avoir de plus loin, quoi. Sachant que quand ils touchent d'un pixel, c'est mort, on est crevé. Alors, je fais en même temps, je fais du score, hein. Je suis arrivé bientôt à 200 000 points. Je les récupère à temps, hein, le flingue, hein, parce que putain, ils étaient arrivés en nombre. Hein. Donc faut que je fasse gaffe à pas prendre n'importe quoi non plus comme bonus. Hop, une vie. Donc je suis au niveau 8, donc après je vais arriver au niveau 9. Ah, je suis bientôt arrivé à mon maximum. À mon maximum, vraiment limite quoi. J'en ai jamais vu la couleur, hein, du niveau 11, 12, 13, 14, parce qu'il y a 14 niveaux. Ils auraient dû en fin de compte inclure une barre d'énergie plutôt quoi. Vu le peu de nombre de vies qu'on a. Oula, tiens, je vais lire, je vois pas ce qui est écrit. Est-ce que tu as entendu le dernier morceau de Obispo qui rend au grand star comme Dean et Cobain? Ouais, alors Obispo, moi je sais pas ce qu'il fait, hein, je sais trop rien. J'en sais foutrement rien. Ah merde, ça j'en voulais pas de cette arme-là. Faut que je la fasse disparaître de l'écran. Voilà. Oh merde, voilà un truc de merde là. Alors lui, il va... Voilà. Voilà, ça c'est bon. C'est reparti pour un tour. Ah, tu sais, j'écoute pas de trucs type chanson française. Les trucs français dans cette catégorie qui m'intéresse, c'est vraiment très 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 faible. Ça doit se limiter à deux ou trois artistes maximum. Bon allez, c'est quand ils veulent hein, qu'ils me donnent des vies, hein. Parce qu'avec 6 vies, moi je vais pas aller bien loin. Ah, c'est bon, 7 vies. Heureusement que je suis dans un bonus, dans un niveau bonus parce que là ça fait déjà 3015 que j'y suis. Et franchement, c'est la seule astuce que j'ai trouvée dans le jeu pour récupérer des vies. C'est sûr, c'est pas Guy Béard.
Pourquoi est-ce que tu me parles de Guy Béard? Encore, t'as de la chance, parce que si je l'avais lu en anglais, ça fait Guy Beer, c'est-à-dire l'ours Guy. Ah, bah ça y est, perdu. Enfin, perdu. Ah non, il y a un T à la fin. Guy Béard, ouais. Non, Guy Béard, c'est pareil, c'est des trucs, des noms que je connais, mais je serais incapable de te citer un seul morceau de Guy Béard, quoi. Allez, niveau 9. Alors celui-là, il est pas facile parce qu'il y a beaucoup de plateformes à la con. Oh putain, mais l'autre, il me touche là avec sa gueule. Oh là là, il est mal foutu à ce niveau-là, ce jeu, c'est une dinguerie quoi. Ah putain, quand est-ce que je vais arriver à le choper là, ce putain de fusil là? Oh putain, il y en a trop là, il y en a trop, il y en a trop. Eh voilà, je peux même pas armer là, fils de pute, va. Il a les ailes en l'air, on peut le toucher. Putain, il est vraiment dur ce jeu, quoi. Oh merde, il y a une tête de mort. Oh la vache! Super, j'ai pas envie de récupérer de d'épée. Non, merci. Eh, franchement, si je vais jusqu'au niveau 10, c'est un exploit. Hein. Ah, waouh! Sur le fil du rasoir là. Hein. En plus, faut regarder ce qu'il y a les plateformes qui s'effondrent sous les pieds. Oh, j'aime pas cette partie-là. C'est la partie où je perds toutes mes vies en fait. Ah, c'est super chaud là. Oh la vache! Comment est-ce qu'on peut passer à cet endroit-là sans déconner? Ouais. Je suis à la fin! Yes! Waouh! Eh ben putain! C'était vraiment chaud quoi. Bon, c'est bon, j'ai enfin pouvoir montrer le niveau 10. Le pire, c'est qu'on regarde. Excellent. De quoi? Bring your daughter, bring your daughter to the slaughter. Let her go, let her go, let her go. Bon, allez, on va essayer. Niveau 10. Alors, niveau 10, il est ultra long et ultra dur. Donc je sais d'avance que je vais pas y arriver, mais c'est pas grave, au moins j'aurais montré les 10 premiers niveaux de Thundercats sur les 14, c'est plutôt pas mal. Par rapport à mes performances habituelles. Oh merde, la vache! C'est vrai, je suis resté avec cette arme à la con là. Cool, je récupère une vie. Ah, j'aimerais bien récupérer d'autres, quoi.
Oh merde. Oh putain, la vache. Oups, une vie. Une autre vie. Oh bah putain, j'ai de la chatte là. Il est généreux pour un coup. Putain, et puis c'est pareil, entre le moment où on se baisse et le moment où il se baisse, le perso. Ah ouais, bah là, on peut même pas se baisser ni sauter, on est obligé de. Faut tirer quand on arrive à mi-hauteur. Ouais, une vie. Souvent, quand on perd une vie, le premier bonus qu'on rencontre, c'est une vie. En théorie, ouais, c'est ça. Alors, faut pas rêver, j'arriverai pas au niveau 11, hein. J'y suis jamais arrivé. Ce niveau-là, je l'ai jamais fini, donc il est super long. Il me fait vraiment l'impression qu'il est interminable, quoi. Oh, une vie. Pas craché dessus, hein. Oh putain, même en se baissant, ça marche pas. Je vais jamais beaucoup plus loin que ça. Ah, fait chier, il y a un bonus à la con, je suis obligé de descendre dans le bordel. Ça rame hein, quand même hein, je trouve comme je sais pas comment il a été codé le bordel, mais ça doit être. Je me demande s'il a pas été d'abord fait sur Atari ST. Une tête là à la con. Ouais, une vie. Ah, quand il y a moins d'ennemis, hein, ça rame un peu moins. Je pense pas que j'étais si loin que ça, hein, d'habitude. Hein. Là, j'ai tout simplement énormément de chat. Hein. Là, j'ai énormément de chat. Mais on n'en voit pas la fin, hein, c'est interminable. Là là, je pouvais rien faire là. Puis le machin, le perso qui réagit aux 10 secondes après là. Ouais, forcément. Ah, ta gueule! Ah putain, mais baisse-toi, connard! Me fait toucher une fois et je suis mort. Mais bon, j'ai jamais été si loin. Je n'ai pas souvenir avoir été jusque-là déjà dans le jeu.
Oh putain. Bon, bah voilà. Prince est un génie d'après France Inter. Bah Prince, pas qu'un peu, non? C'est pas juste d'après France Inter. Tiens, salut Kirk Spock. Alice au taf, bonjour tout le monde. Ouais, enfin au taf, là justement j'ai fini de travailler, je me détends. Bon bah voilà. Au moins celui-là je l'aurais fait. Je chante, ouais, bah non en fait tiens, c'est vrai, y a un truc que je peux faire par contre. C'est me brancher sur l'ampli de gamin. Hop. Alors je sais pas si c'est pour des raisons de droit qu'en fin de compte qu'ils n'ont pas utilisé la vraie musique en fin de compte du jeu. Alors justement le jeu, ta gueule. Hop là, putain. Alors par contre, ça va être fort. La cover que j'ai faite de ce morceau-là. Plusieurs années que j'ai enregistré ce truc-là. Ouais, je vais mettre ça en générique de fin, tiens. Je vais mettre ça en générique de fin. Je sais pas ce que ça donne, le son comme ça par le micro, ça doit être bien dégueulasse. Hop, bon, bah, je vous dis à plus. Ça fait, ah, 1 heure de stream, bah, c'est bien, c'est très bien. Je vais pouvoir mettre. Tiens, je vais remettre ça en attente. Je coupe. Bon, bah, bonne soirée, les gars. De toute façon, moi, j'ai eu des quelle heure? 18h58. Ouais, je vais aller bouffer, tout ça. Allez, ciao! Cosmo cats.
Cosmo, Cosmo, Cosmo.